Mes simulations de combat continuent, mais les paramètres fournis par les Tekken du récif ne sont pas prometteurs. Je dois encore concevoir un usage tactique des Warsat qui ne donnera pas plus de pouvoir à Xivoaras, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. Cependant, nous ne pouvons pas laisser les Kouroussein prendre le contrôle des Warsat. Mon algorithme interne a presque toutes les données nécessaires pour terminer ma reconstruction. En récupérer davantage devrait accélérer le processus. J'ai aussi une demande spéciale à vous faire. Il y a un terminal d'esprit tutélaire dans le cosmodrome qui n'est pas relié au reste du réseau. Il ne contient aucune donnée d'esprit inférieur, mais les fichiers qui y sont stockés sont d'une importance capitale. J'ai besoin que vous les trouviez. Je vous fournirai un certificat de sécurité quand vous aurez récupéré la prochaine cache de données d'esprit inférieur. Et gardien. Il y a une question qui me taraude depuis un moment. Ai-je fait le bon choix ? En enseignant l'art, la philosophie et la culture à Rasputin, en le transformant d'une chose capable d'imiter la conscience humaine à... ceci. Rasputin souffre, car je l'ai rendu capable de souffrance. J'ai toujours su qu'il serait une arme de guerre. Ai-je fait le bon choix en lui inculquant le doute de soi ? En le remettant en ligne alors qu'il s'était éteint lui-même après la chute. Elsie dit que sa vie est cyclique. Qu'elle revit les mêmes tragédies. Encore et encore. C'est aussi ce qui arrive à Rasputin. La chute est à nouveau d'actualité et... il n'y a peut-être aucune solution. Il n'y a peut-être aucun espoir pour l'avenir. Peut-être que... je devrais y aller. Gardien, on frappe, puis on se serre. Faites mal à la ruche. Ramenez un bout d'esprit inférieur. Et revenez en un seul morceau. Maintenant que Rasputin a été réactivé, je pense pouvoir définir les groupes de fichiers extraits de l'esprit inférieur. Ingénieux. Si nous parvenons à aligner leur structure avec celle des fichiers actuels de Rasputin, l'intégration sera encore plus rapide. D'ailleurs, si nous voulons ajouter une autre corde à notre arc, tu pourrais même insérer un cryptage pour brouiller les pistes. Excellente idée! Ça ralentirait tous ceux qui essaieraient de prendre le contrôle du bunker, à l'exception de Rouge. Les Sorbrets à nouveau réunis. La fierté n'est pas l'expression adéquate, mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Le terminal de données se trouve dans un bunker souterrain. Il contient les fichiers les plus secrets de mes archives. Ils ont été complètement et volontairement isolés du réseau. Vous devez les récupérer sur place. Prenez-en grand soin. Même Anna n'est pas au courant de leur existence. L'entrée du bunker est droit devant. Sécurisez la zone et j'ouvrirai la porte. Combien de fois ces bunkers ont-ils été infiltrés? Entre les déchus, la ruche, les corrompus. Tout ça pour quoi? Mon arsenal n'a pas été suffisant contre les pyramides. Et ils représentent désormais une menace aussi grande que nos ennemis pour l'humanité. En tant qu'esprit tutélaire, mon objectif principal est d'assurer la survie de l'humanité. Pour y parvenir, j'ai eu recours à... l'espionnage, au sabotage, au meurtre. Des actes de tyrans, tous impardonnables. Mais l'un d'eux était particulièrement abject. Un ordre que j'ai été à deux doigts d'exécuter, et qui m'aurait hanté jusqu'à ce jour. D'autres pires déchus ont été détectés. Éliminez-les avant que je déverrouille la prochaine porte.
Terre. Alors, j'ai réactivé le protocole afin d'utiliser les Warsaw contre lui. Je comptais immobiliser le voyageur, le forcer à rester. Mais j'ai finalement annulé la séquence de tir. Anna ne s'en souvient pas, mais c'est elle qui m'a convaincu d'arrêter. Elle a toujours été mon ange gardien. Mon humanité. C'est grâce à elle que je suis plus qu'une arme. Je suis Rasputin, prince à Anabré. Merci d'avoir récupéré les fichiers, gardien. Ils doivent être préservés à tout prix. En raison de leur nature sensible, je ne peux pas prendre le risque de les télécharger sur le réseau. Mais ils devraient être en sécurité entre les mains de l'avant-garde. Rapportez-les au CIMU. Je les décrypterai là-bas. Je vous suis reconnaissant d'avoir récupéré les fichiers. Nous ne pouvons pas les laisser sans surveillance suite aux récents événements. Je m'excuse de ne pas vous avoir révélé leur existence plus tôt. Pour ça, je devais d'abord vous faire confiance. Et ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. Mais comme toujours, vous avez été à la hauteur de la tâche. Le voyageur vous a bien choisi. Jadis, j'employais également des agents humains. Je les appelais Séraphins. Et je leur donnais accès à des armes et des armures expérimentales. Parfois, je me demande si j'ai prédit la création des gardiens par les voyageurs, ou si j'ai indépendamment estimé mes avatars dignes d'une telle responsabilité. Quel qu'ait été mon raisonnement, les résultats étaient probants. Vous et les Séraphins êtes similaires, de fidèles défenseurs de votre espèce. J'ai commis des erreurs de jugement par le passé. Des décisions basées sur de fausses hypothèses et des principes moraux imparfaits. Mais vous êtes la preuve que le protocole des Séraphins n'était pas une erreur. Faire confiance à l'humanité a peut-être été ma meilleure décision. J'ignore comment se terminera cette guerre. Mais quoi qu'il arrive, nous combattrons ensemble. Race, activation du mode Turing, langage familier. Une vieille habitude. Désolée, je suis trop habituée à te voir comme une machine en attente de directive. Pas comme... Anima. J'aurais aimé que tu vives ça dans un meilleur contexte. Anna, je peux t'offrir cette certitude analytique. Il n'y a jamais de meilleur contexte. Il y a juste un temps ou trop tard. Tu as raison, comme toujours. Ce qui nous amène à une autre remarque. Je n'ai pas toujours raison. J'ai fait des choses abominables pour préserver l'espèce humaine. C'était le seul qui était mathématiquement correct. Mais ce n'était pas le bon choix. Les dispositifs de mon nouvel exo-esprit m'ont permis d'analyser une vie entière de décisions. De les évaluer avec des concepts émotionnels et moraux que je n'étais jadis pas capable d'appréhender. Certains me considèrent comme un tyran. Ils se trompent. Non. Tu m'as donné la capacité de juger objectivement ma propre valeur, mais aussi toutes les manières dont ma valeur a nuit au bien-être collectif de l'humanité. C'est la somme d'une équation que j'essaie encore d'équilibrer. Mais ça ne veut pas dire que ton travail a été vain. Tu m'as donné le libre arbitre. Et je m'en suis servi pour faire ce que je pensais être juste. C'est la somme du travail de ta vie. À présent, à l'heure de nos ultimes calculs, je réalise la valeur d'une telle chose. La valeur de l'émotion, de l'affection, de la façon dont les humains tirent des conclusions logiques.
quelle logique les mêmes données? Et pourquoi les deux résultats sont importants? Merci, Grand Rouge.